Bonjour à tous. Lors de vos recherches généalogiques, vous tomberez sans doute sur des métiers oubliés. Ces métiers qui, autrefois, peuplaient la campagne et dont on ignore aujourd'hui tout. J'ai ainsi découvert qu'un de mes ancêtres était affranchisseur de bestiaux. Mais en fait, que faisait exactement un affranchisseur de bestiaux? C'est le sujet du billet d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier. Vous êtes déjà plus de 320 à avoir visionné le premier billet et c'est un bel accueil qui a été fait à la chaîne. Donc merci encore. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'un affranchisseur de bestiaux? L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert donne la définition suivante. Ce sont ceux qui font métier de châtrer les bestiaux. Plus largement, l'affranchisseur désigne un vétérinaire sans diplôme, ayant des connaissances acquises par l'expérience, c'est pourquoi il est souvent désigné par le terme d'empirique, par opposition aux scientifiques que sont les vétérinaires diplômés. Suivant les régions, on retrouve différentes appellations pour nommer les affranchisseurs. Castreur, châtreur, coppeur, ongreur. Dans le Haut-Maine, il est également nommé saneur. Le mot même de saneur vient du latin sanare, qui signifie guérir, redonner la santé. Tout est dit. En effet, loin d'être un simple castreur, l'affranchisseur de bestiaux est un acteur incontournable des campagnes des 18e et 19e siècles. La définition donnée par Charles Raoul Montesson est la suivante. Le terme d'affranchisseur s'applique tout spécialement aux vétérinaires sans diplôme qui habitent la campagne et qui sont ceux pour lesquels nos paysans ont le plus de sympathie, tendance qui s'explique par cela qu'ils les connaissent plus intimement que le vétérinaire légal qui habite la ville, et encore par le talent réel que l'expérience, à défaut de théorie et de science, donne à quelques-uns d'entre eux. Par conséquent, pour toute maladie, problème rencontré avec le bétail, le paysan va faire appel à l'ongreur. Ce dernier va prodiguer un traitement, souvent à base de plantes médicinales, mais aussi de prières et d'autres formules un peu obscures. L'affranchisseur aide également les femelles à donner naissance à leurs petits dans les étables. Cela lui vaudra le joli surnom de populateur des prairies par le poète Adrien Mitoir en 906. Du fait de cette expérience acquise par l'affranchisseur dans tout le domaine de la santé animale dans les campagnes, c'est donc tout naturellement qu'on s'appuie sur lui pour les enquêtes sur les épidémies dans les campagnes. Mais ce rôle important et incontournable ne doit pas masquer la dureté du travail des affranchisseurs. Pour en avoir une idée plus précise, revenons un instant sur ce qui fait le cœur du métier d'affranchisseur, la castration, également appelée bistournage. Les animaux non destinés à la reproduction sont souvent castrés, et ce pour diverses raisons. Afin que les mâles n'importunent pas les femelles du cheptel pour une qualité de viande réputée meilleure, ou parce que le dressage des bœufs destinés au travail des champs en est facilité. Pour un bœuf dit de travail, on pratique la castration vers 18-20 mois, de sorte qu'il ait acquis une force suffisante pour le travail des champs. En revanche, pour les bœufs destinés à l'engraissement, on le fera dès 1 mois pour favoriser le développement de certaines zones à viande et un caractère plus doux lors de l'élevage. La méthode de castration la plus risquée pour l'animal était l'ablation des testicules. On réalisait une incision, coupait les testicules, les retirait, puis on procédait à la cautérisation des plaies. Beaucoup d'hémorragies ou de phlébites fatales feront préférer par la profession le bistournage. Le manuel opératoire du bistournage peut être divisé en 4 étapes. Dans un premier temps, on déchire le tissu cellulaire entourant les testicules et on assouplit la peau des bourses. Dans le deuxième temps, on fait basculer les testicules. Dans le troisième temps, on opère la torsion des cordons. Et enfin, dans le quatrième temps, on monte les testicules le plus près possible de l'anneau inguinal et on fixe un lien autour des bourses pour empêcher les testicules de redescendre et de se renverser. En ce qui concerne la stérilisation, les femelles n'étaient pas en reste.
On fendait les gorettes avec un canif, on enfonçait les doigts et on retirait les ovaires. Parfois, les gorettes étaient castrées à l'anglaise, c'est-à-dire seulement coupées et recousues. Il pouvait arriver qu'elles deviennent pleines quand même, les ovaires n'ayant pas été enlevés. Pour ce travail, au 19e siècle, vous vous en doutez, aucune anesthésie n'est prévue. Des aides sont souvent nécessaires pour bloquer les membres postérieurs et les cornes de la bête pendant l'opération. Malgré cela, il reste un risque pour l'ongreur de se prendre un coup de patte. À cela, il faut ajouter les cris des bêtes auxquelles on inflige des douleurs qui sont, on s'en doute, insupportables. En 1903, Philibert Audebrand met en évidence la vie difficile des affranchisseurs à travers le portrait d'un ancien poète, Armand Barthé, devenu lui-même castreur. Armand Barthé connut un grand succès à Paris en 1849 avec sa pièce Le Moineau de Lesbie. Il s'illustra même en giflant Charles Baudelaire, ce qui lui valut d'être provoqué en duel par ce dernier. Mais après quelques œuvres, qui n'eurent pas le même succès que la première, il rentra en province, s'y maria et s'installa comme affranchisseur. Philibert Audebrand raconte ainsi combien il fut difficile pour le poète d'être, je cite, « obligé pour gagner son pain d'avoir toujours un acier entre les doigts et au risque d'être mordu ou frappé mortellement d'un coup de pied ou d'un coup de corne, d'abattre les parties sexuelles des bestiaux ». Il continue en disant que ce fait d'avoir à trancher tous les jours la chair vive, cet exercice menant le praticien à exciter les cris plaintifs mêlés de fureur, bouleversa son esprit. Dans un de ses accès de démence, il retourne le couteau contre lui-même. Au témoin venu lui arracher son arme, il répond « Eh bien quoi? Vous voyez bien que je fais mon métier. Je taille, je taille !» Vous vous en doutez, Armand Barthé fut ensuite interné. La confiance des paysans due, il faut l'admettre, au manque d'éducation dans les campagnes, incite parfois les affranchisseurs à outrepasser leurs prérogatives. Dans les archives vétérinaires et les faits divers, on retrouve de nombreuses anecdotes sur le charlatanisme de certains ongreurs. Comme par exemple cet affranchisseur qui abuse de la crédulité d'un couple de métayers en leur faisant croire que leur bête était ensorcelée. Il leur soutirera ainsi toutes les économies de leur vie. Parfois, les affranchisseurs s'improvisent carrément médecins. En 1823, un affranchisseur est poursuivi pour avoir préconisé avec son commis que la femme d'un métayer couche avec le dit commis pour soigner des douleurs qu'elle avait à l'estomac. Le remède n'ayant évidemment pas marché, le couple avait porté plainte. On raconte aussi qu'après qu'un arbre soit tombé sur la jambe d'un jeune homme, on l'emporte chez lui et on s'empresse de réclamer les lumières d'un affranchisseur voisin. Celui-ci, prenant la lésion pour une simple fracture, soigne et sangle le membre. Après quelques jours, le malade souffrant de plus en plus, on se décide enfin à faire appel à un vrai médecin. Le malheureux jeune homme était en fait atteint de gangrène. La fracture était en fait une luxation du genou. Finalement, il a fallu amputer au niveau de la cuisse. Autre anecdote funeste, à la suite d'une chute, un individu perd l'usage d'un bras, on fait venir l'affranchisseur qui se contente d'appliquer sur l'épaule malade ses remèdes. L'état du malade allant de mal en pis, on se décide enfin à appeler un médecin qui trouve le bras horriblement tuméfié et constate une luxation de l'épaule. Quelques jours plus tard, on portait en terre la malheureuse victime. En 1888 encore, un homme, pris d'une douleur atroce au testicule, demande à l'affranchisseur de l'en débarrasser. L'affranchisseur s'exécute, mais le patient mourut quelques jours plus tard d'une infection généralisée. Plus proche de nous, une anecdote nous indique que les affranchisseurs ont peut-être également eu d'autres attributions. Le 13 août 1943, Désiré Pioche, ongreur dans la Sarthe, est condamné à mort pour avoir pratiqué des avortements. Sa demande de grâce ayant été rejetée, il est guillotiné le 22 octobre 1943. C'est dans ce contexte que les vétérinaires n'ont eu de cesse, au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle, de combattre le recours systématique aux affranchisseurs dans les campagnes pour soigner le bétail et même parfois les humains. Après beaucoup de tractations, dans les années 1920 et 1930, une loi encadrant la profession vétérinaire est adoptée en 1938.
L'article 1 de la loi est sans appel. Sont seuls autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française munies du diplôme d'État français de docteur vétérinaire. En outre, la loi oblige les affranchisseurs qui souhaitent continuer d'exercer à s'enregistrer auprès des services vétérinaires. Comme la loi interdit le renouvellement de la profession, celle-ci est de toute façon vouée à disparaître. Petit à petit, les actes autorisés sont restreints par les lois. Comme les effectifs ne sont plus renouvelés, la profession s'éteint définitivement dans les années 1980-1990. Voilà pour l'histoire de ce métier oublié. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou même à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être au courant du prochain billet. À bientôt.